Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Overwatch en Ranked. Nous sommes sur Anamura, nous sommes en attaque. Par conséquent, je vais potentiellement prendre un singe. Hop, et nous allons voir ce qui peut arriver. Hop, nous avons donc deux heals, deux DPS, un, deux tanks. Nous avons un anti-tank, un flanqueur, par conséquent c'est pour ça que j'ai pas pris Reinhardt à la base. Parce que normalement, on a, en fait, grosso modo, on a deux flanqueurs, dont un, le nouveau Reaper qui est encore plus efficace maintenant pour détruire les tanks. Donc normalement, je pense pas qu'on ait véritablement besoin d'un Reinhardt. Cependant, si on a un Reinhardt, je vais peut-être prendre une Zarya. Comme ça je pourrais charger sur le Reinhardt tout en profitant de l'ultime de son bras, de Pharah ou Reaper dans le mien. Ce qui peut faire un KD assez intéressant. Un TK pardon assez intéressant. Il n'y a pas de raison de partir, selon moi. Pourquoi vous allez tous là? Ok, bon bah je vais rester tout seul là. Hein. Ok, bon. Faudrait que je prenne la danse, je sais pas si je l'ai eu, je ne sais plus. C'est parti. Le combat est fini. Capturez l'objectif A. Ne vous inquiétez pas. Merde. Allez, suis. Sont nos copains. Terme de heal. Le heal, voilà, merci. Allez, on rentre. Push. Hop. Ah là là, oui, mais les heals sont où? Ah la vache, les heals l'ont pas suivi. Les heals l'ont pas suivi. Souviens-toi de ton entraînement. Merci, Galbach. Parce que putain, avec 151 points, j'ai le bron, le silver au, en dégâts. Bien joué, tu l'as eu. Le problème, c'est que les DPS peuvent pas suivre. Non. Putain, mais les... Bon bah les DPS suivent pas. C'est qui Jonardo c'est... D'accord, c'est Reaper. Donc, enfin, on peut m'expliquer où sont les DPS? Putain, mais les DPS qui focus pas les heals quoi! Putain, mais je peux avoir de l'aide ou pas? Oh la gueule! Un incident mineur. Oh la la vache, je suis désolé hein, moi ça me fait péter une durite là. Avoine, pas
Allez, on y va. Putain, mais... Oh la vache, les DPS, quoi! Putain! C'est débile, hein. C'est débile. Donc, bah là, c'est perdu parce que voilà, les gens veulent pas la jouer. On joue avec un connard, là, Jonardo. C'est fou, hein. Une partie sur deux, t'es niqué. T'es enculé par le jeu. Donc, moi, je suis désolé, je la joue pas. Hein. Je vais train. Que dalle, rien à foutre. Et le mec il est fier, hein. Le mec est vachement fier. Hein. Merci. 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 Le mec est fier. Il fait de la merde, il nique notre partie, mais il est fier. Je sais pas si je peux le faire ici. Non. Je peux pas. Bon, à savoir. J'ai même pas envie de m'emmerder. Défendez l'objectif A. Ah, il s'invite à la fête. Je vais pas avoir de heal du tout. Putain, ils ont une phara en plus. Putain, ouais, je suis tout seul quoi, c'est je joue tout seul avec le Lucio. C'est incroyable. C'est incroyable. Hop. Voilà. Hop, c'est fait. Crac, on en refait une. C'est cool de faire que ça en fait. Tomber sur un connard, gagner. Tomber sur un connard, gagner. C'est génial. Vive ce jeu avec ce matchmaking d'enculé quoi. J'ai l'impression qu'un joueur sur cinq est un enculé à Overwatch. Voilà, c'est minimum. Hein. C'est le minimum de la partie en fait. C'est fou. Allez, on va dire un joueur sur 10. Parce que comme c'est une partie sur 2, on multiplie par 2, ça fait un joueur sur 5. C'est fou. C'est quand même fou, hein. Qu'il y a un mec qui veuille pas. Non, Reaper a été buff. Je vais prendre Reaper. Allez, Ellie. Chers amis, donc, on tombe pas sur les mêmes. Parfait. Ah, j'aurais tellement aimé avoir notre Reaper en face. C'est dommage.
En défense ici, moi j'aime bien prendre Mei, mais souvent en groupe elle n'est pas acceptée. Crac, on a une main. Merci. Ici, on a deux main. Enfin, main. Il est pas cla... Ils sont pas classés! Putain, mais on est avec deux gens qui sont pas classés, quoi! Mais what the Je joue pour gagner. fuck? Bah putain. J'adore cette fille. Moteur, action. En espérant qu'ils jouent leur jeu comme il faut. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Excusez-moi. Là, peut-être que je peux empêcher les gens de leur tirer dessus. Ce qui fait qu'ils vont se prendre encore plus de dégâts. Je suis d'accord avec ce que demande Lord Saphir. Go back, please. Come back, come back. Try some point. Trace is behind, guys. Ouais, mais c'est pas à nous d'aller la chercher. I'll keep you here. Tracer and Anna behind. I've got my ult. Don't lead the point, boys. Mecha activé. Ok. Ah, je savais pas où est-ce qu'il était. L'indicateur était à chier là. Non, il l'a eu. Wow. Ah la vache, jolie la frappe. Ah, si t'as ton raise. Ah merde, Angé morte. Ah putain. Ok. Ok. Eva, come back. Merci.
Oh, j'ai appuyé sur A. J'ai appuyé sur A. Ok. Voilà. Nice. C'est bon. Combien de précisions j'ai pas vu? Merde, dommage. Dites-moi dans les commentaires combien de précisions j'avais, s'il vous plaît. Merci. Fou. C'est tendu du slip quand même, hein. Mais on y arrive. On y arrive. Et j'estime que j'y suis pour beaucoup, je sais pas pourquoi. J'estime que j'y suis pour beaucoup. C'est un peu présomptueux de ma part, mais j'ai l'impression que c'est le cas, donc... j'essaye de quantifier un petit peu ce... ce détail. Cette variable. Enfin, j'ai la chance d'avoir des gens derrière qui m'aident à apprendre un petit peu comment jouer, et du coup, bah, je peux quantifier un petit peu mon utilité dans le groupe, et c'est pas si mal. Après, il faut que j'apprenne aussi à switch quand il le faut, et ça, c'est plus compliqué. Parce que je serais plus tenté de dire aux autres de switch, même si je vois... Enfin, il m'arrive de pas voir ce que font les gens, en fait, c'est ça le truc. Je trouve qu'elle est pas épique, cette danse. J'aurais imaginé beaucoup mieux, moi, personnellement. En fait... Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Le combat commence dans 30 secondes. Arrêtez de rêvasser, tenez-vous prêts au combat. Train de réfléchir aux différents ults qu'on a et qu'on n'a pas. Mais des missiles autoguidés, on en a pas, ça. Vous savez, des commandes un petit peu comme dans ceux qui ont vu le trailer, enfin le gameplay d'Anthem. À un moment, elle utilise des espèces de missiles autoguidés qui est un petit peu à la Iron Man, vous savez, où il cible tous les ennemis en face. Et trr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 
C'était quoi ce... Quoi? Pourquoi elle a survécu? Oh putain. Allez les mecs! Là, y'a un truc qui va pas. Go to the left side, come to the fucking left side. Rejoignez-moi. Capacité ultime implacable. On se regroupe. Putain, mais il est débile lui hein. Putain, mais je joue tout seul quoi, c'est fou! Oh la gueule! Die on the point, everyone go onto the point, onto the point, I've got. Prenez le point, prenez le point. GG. Allez. Allez, l'ult. Ah. Tendu du slip. Hein. Tendu du slip. Oh bah putain, c'est pas un des nôtres ça si? Ah si, bah dis donc. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah c'est l'ult, le sauvetage monumental de tout ce qu'il a fait. Parce que là voilà, ah bah non, c'est même le soldier qu'il a eu. Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est la quantité de heal qu'il a dû faire d'un seul coup à mon avis. Ouais voilà. Putain, j'ai fait plus de ça. J'ai fait pratiquement 100% des kills avec D.Va. Oh là là. Précision, ouais, 39, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Et on monte à combien? Parce qu'on était à 61 de mémoire. Donc je suis curieux de voir où est-ce qu'on va monter. Ah, on a gagné 7 points. Sur une défaite, on a gagné 6 points, pardon. On a gagné 6 points entre une défaite et une victoire. Ah dis donc, c'est pas efficace. Allez, à plus les gens pour la prochaine compétitive.